Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, une nouvelle vidéo renforcement musculaire sur le bas du corps, c'est parti. Renforcement musculaire, bas du corps. Donc bas du corps, on va essayer de mobiliser au maximum tous les groupes musculaires du bas du corps, donc que ce soit les quadriceps, juste derrière les ischios, les mollets, les adducteurs. Donc on va essayer vraiment de mobiliser tous ces groupes musculaires sur différents exercices. Comme pour toutes mes vidéos, on va donc la faire en trois parties. Première partie l'échauffement, deuxième partie les exos et troisième partie le petit retour au calme. On va partir pour la première partie et l'échauffement. Donc on va essayer de préparer son corps à l'effort physique. On va augmenter la fréquence cardiaque tout doucement. On va échauffer les muscles pour éviter toute blessure. Donc on va y aller progressivement. Ok, vous êtes prêts? On y va. Allez, go! Allez, on trottine sur place tranquillement. Allez, on trottine. Donc tranquillement, on va y aller progressivement. On va monter les genoux tranquillement. Allez. Ok, on repasse en jog sur place. Et talons fesses. On jog sur place. Montée de genoux. Jog sur place. Talons fesses. Voilà, même logique de cardio, on va passer à des jumping jacks. On se met en place. Et on y va. Allez, on en fait une dizaine. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On se repose un peu, on va encore en faire une petite dizaine. Et on y va. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Fini pour les jumping jacks. On va maintenant passer à des petites flexions. On va faire 2 x 5 flexions, hein, histoire de chauffer le bas du corps. Donc on y va. Allez. Et une. Et deux. 3. 4. Et 5. Ok, on bouge un peu les jambes. On va repartir, on va faire 5 petites flexions tranquillement. Allez. 3, 4 et 5. Super. On va terminer par un peu de chaise. Tu veux faire un peu de chaise toi? Non? Bon. Alors il va aller manger. Pendant que nous, on s'échauffe. Allez, donc le dos est plaqué contre le mur. Là, je suis à 90 degrés. Allez, on y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est bon pour l'échauffement. Parfait. On va pouvoir passer aux exos. Alors, pour les exercices, très simple. On va faire 10 exercices que je vais mettre là, sur votre vidéo. Ces 10 exercices-là, on va les faire 2 fois. Donc, c'est-à-dire 2 rounds de 10 exercices. Les exercices, très simples, on va se faire 45 secondes d'effort et 15 secondes de récup. D'accord? Et on va se mettre une petite minute de récup entre les 2 rounds. Premier exercice, montée de genoux sur place. C'est-à-dire, je vais bloquer ma jambe et je vais monter tout simplement mon genou comme ceci. D'accord? On essaie de le monter bien haut, 90 degrés. Genou droit, main gauche qui se synchronise avec. Et après, on fera bien entendu l'autre genou. Ok, on est prêt? Je vais lancer le chrono. Tac. Hop, chrono lancé, on y va. 1, allez, go. Allez, pendant 45 secondes. Donc, chacun va à sa vitesse. Sur ça, vous gérez. Ceux qui veulent le faire plus vite, faites-le plus vite, mais surtout, il faut que la gestuelle, le mouvement soit bon. Allez. Encore 20 secondes. Donc ma jambe gauche ne bouge pas, c'est le mouvement. Ma jambe droite qui va au sol, puis qui remonte. Genou qui monte, 90 degrés. Allez.
encore 5 secondes. 15 secondes de récup. Parfait. On va passer de l'autre côté, donc exactement pareil. Cette fois, ça va être ma jambe droite qui va se mettre comme ceci. Ma jambe gauche qui va travailler avec un appui derrière et une montée de genou. Top, on y va. Appui derrière et montée de genou. Pareil, c'est bien monter le genou, 90 degrés. Genou gauche, bras droit devant. Allez, on synchronise tout ça. Allez, on travaille. Prochain exercice, on va pareil, verrouiller. Donc là, je vais verrouiller jambe gauche. Je vais monter, je vais maintenir la position. D'accord? On y va. Go. Hop. Et je maintiens. Donc là, j'essaie d'être bien droit. Mon genou est bien monté. 90 degrés ici. Je souffle bien. Je fixe un point devant moi. Allez, on tient. Pour ceux qui veulent, vous pouvez fermer les yeux. En fermant les yeux, vous allez perdre quelques repères, notamment le repère visuel. Donc, vous allez encore plus travailler le bas du corps en cherchant l'équilibre. Allez, encore 3 secondes. Et 15 secondes de repos. Super. On enchaîne, on avance. Hein, quatrième exercice. On va le faire de l'autre côté, donc je vais verrouiller ma jambe droite cette fois et je vais monter mon genou en place et on y va. Donc là je verrouille, je regarde bien devant moi, je suis à 90 degrés, je souffle comme pour l'exercice précédent, ceux qui veulent, hop, on ferme les yeux et vous allez voir que là on va perdre le repère visuel. Voilà, j'ai mis un pied à terre. C'est pas grave, vous perdez l'équilibre. On se remet en place juste derrière, aucun souci. Allez, on essaye, on ferme les yeux, on essaye. Encore une fois, allez, on y va. Allez, on ferme les yeux. On se concentre. Voilà. Et repos. Parfait. On va passer aux fentes maintenant. Donc, de ce côté. Les mains sur les hanches. On va démarrer comme ça. Et on va monter. On y va 45 secondes. Allez, je monte. Je monte. Je descends. Je monte. Et je descends. Allez. Allez, on souffle bien. Ma jambe gauche devant, ma jambe droite derrière. Allez, on y va. Et ensuite, on va changer de jambe. Et retour. Super. On change. Maintenant, je change de côté, mais vous pouvez faire le même côté. Hein. Hop. Je ne sais même pas. C'est lequel mon meilleur profil. Bon, un peu. Allez, on y va. J'ai changé, c'est ma jambe droite, maintenant devant. Et bon, on y va. Je regarde un peu devant moi. Allez. On travaille, on descend bien. Et on remonte. Allez, ça chauffe les quadris.
Parfait, 15 secondes de repos. On va passer au squat pulse. Du coup, position squat. Le dos va rester droit. Et on va faire comme si on s'asseyait. On s'assoit. Et on va rester comme ça. Et là, petit mouvement en haut, en bas. Allez, là, normalement, ça doit bien chauffer. Moi, ça chauffe là. Il reste très peu de temps. Et repos. N'hésitez pas à bouger un peu hein. Le bas de corps. Parce que là, ça travaille bien. On va passer fente, squat et fente. Ok? Du coup, je commence ici. Je fais fente, squat et fente. Et on enchaîne. Soufflez bien. Allez, on travaille encore un peu. Et au repos. Super. On va enchaîner avec le 9e et 10e exercice. On va passer au sol rapidement. On va faire des montées de bassin. Le dos au sol, les jambes pliées. Et ici, on va monter. Allez, on monte. On monte le bassin vers le haut. Comme si on était, notre nombril était tiré vers le haut. Essayez d'expirer, donc de souffler quand vous montez. Essayez de se vider de l'oxygène quand on monte. La sollicitation des jambes, pardon, elle se fait si vous écartez un peu plus les pieds. Si on se met là, facile, un peu plus difficile et difficile. Ok, donc je vous laisse gérer. Vous devez le sentir quand ça travaille. Et 15 secondes de repos. On va faire exactement le même exercice. On y va. On se met en place. Essayez de commencer comme ça et au fur et à mesure descendez pour que ça travaille. D'accord ? Une fois que vous avez trouvé votre zone où ça travaille le mieux, vous y restez. Là, je vois que je travaille pas assez. Hop. J'écarte un peu mes pieds. Allez, ça travaille les ischios. Encore. Parfait. Vous avez donc une minute de repos. Vous avez fini le premier round. Donc vous pouvez boire un coup. On se relève. On n'hésite pas si vous pouvez marcher un peu autour de votre zone de travail. Faire circuler un peu le sang. Bouger un peu le bas du corps que vous avez bien sollicité au bout de ce premier round. Et on va donc enchaîner sur le deuxième round. Il vous reste 30 secondes avant le départ. On va repartir sur exactement les mêmes exos. On repart du début avec montée de genoux sur place. Une fois à droite, une fois à gauche. Allez, on va bientôt repartir 3 secondes. Et top, on y va. Allez,
45 secondes d'effort, on est parti pour le deuxième round. Allez, on y va. Allez, encore. Et retour. On souffle avant de passer à l'autre jambe. Allez, on se met en place. Et on y va. Allez, 45 secondes. Allez, on est déjà au deuxième exercice du deuxième round. Allez, on a fait plus de la moitié. Allez, on va aller jusqu'au bout de ces deux rangs. Allez, on lâche pas. On est concentré. On s'applique sur les mouvements. Allez, on mobilise bien le bas du corps. Et repos. Ok. On va passer donc à l'équilibre. Donc juste monter de genoux équilibre. Avec une petite modification pour le deuxième round. On va essayer de grimper sur la pointe des pieds. Je vais vous montrer ça tout de suite. On y va. On monte comme le premier. Et là maintenant, on essaye de monter sur la pointe et de redescendre. On monte sur la pointe, on redescend. Là on travaille le mollet. Hop, on monte, on descend. On monte, on descend. J'essaye de rester un peu en haut. 1, 2, et je redescends. Et j'essaye de rester 2 secondes en haut. 1, 2, et je redescends. Allez, on enchaîne. S'il y a un petit déséquilibre, comme moi, on se remet en place et on est reparti. Allez, il reste 10 secondes. Pour ceux qui ont un peu de mal, restez juste sur l'équilibre. Ça, c'est une petite complexification. Ok, retour. Pareil sur jambe droite. Pardon, je vais faire jambe gauche. Exactement pareil. Donc, vous pouvez rester immobile. On ferme les yeux. Ok, les premières consignes du premier round. Ou vous pouvez, pour ceux pour qui c'est facile, travailler un peu plus le mollet en montant sur la pointe des pieds. Je monte, je reste 2 secondes et je descends. On essaye toujours de maintenir la jambe haute. Hein. Vous allez voir qu'en montant et en descendant, la jambe ici va tomber. Donc, à chaque fois, on fait l'effort de remonter les pointes de pied. Allez, on y va. Et pour vraiment les champions, on fait cet exercice-là en fermant les yeux. Je ne vais pas le faire, sinon à tout moment, je vais tomber et ce sera un plaisir. Ok, repos. Parfait. On a travaillé gauche et droite. On va partir aux fentes. On y va. Allez, fentes. En place. Allez, go. Oula. Allez, go. Allez, on a fait la moitié. La moitié du deuxième round. On enchaîne. J'avais ma jambe gauche, je fais ma jambe droite. Mais je peux rester du même côté. Hein. Je peux rester du même côté comme ça. Donc je vais tourner, jambe droite, en place. Allez, go.
sur la fin là. Squat pulse, donc soit squat pulse comme au premier rang, soit vous pouvez faire la chaise, aucun problème. Moi je vais juste varier. Je me mets en place pour la chaise, 45 secondes. Allez top, on y va. Allez, 90 degrés les jambes, mon dos plaqué au mur. Et super. Allez, on enchaîne. Huitième exo. Squat, fente. Enfin, fente, squat, fente. Pardon. On y va. Je commence par le squat, la fente. Je commence un peu à perdre en lucidité. Ça se voit que c'est la fin de cette séance. Allez, on va aller jusqu'au bout quand même. On va se concentrer. Je vais arrêter de parler pour éviter de dire des bêtises et me concentrer sur le mouvement, qui, avec la fatigue, deviennent de moins en moins bons. Donc, je vais me concentrer. Faites pareil chez vous, concentrez-vous sur vos mouvements. Allez, on va jusqu'au bout. On va être fiers de nous à la fin. Parfait. 15 secondes de repos. Et dernier exercice, exactement pareil. Je vais garder mes marques, j'étais à peu près là. Je sais que ça travaille parce que les ischios chauffent derrière là. Allez, on y va, c'est les dernières 45 secondes. Allez, on souffle bien sur la montée, on enlève tout le tiret. Mettez-vous sur les talons. Vous allez sentir un petit ça. Un travail. Ok. Parfait, vous avez fini cette séance. Donc, renforcement bas du corps. Félicitations, à tous. Ceux qui veulent se rajouter un troisième round, n'hésitez pas à vous faire un troisième round. C'est selon les possibilités de chacun, c'est à vous de gérer, c'est vous qui êtes maître de votre corps. On va passer à la troisième partie et au retour au calme. Petit retour au calme, donc tranquillement, vous allez vous allonger là où vous faisiez les montées de bassin. Vous fermez les yeux, vous restez jambes pliées. Et vous allez un peu bouger comme ceci en reprenant votre respiration tout doucement. Récupérez votre respiration, fermez les yeux. Ok. Allez, on relâche les jambes.
on les relâche complètement. Et là, pareil, je les bouge un peu. Et j'arrête. Allez, je suis relâché. Allez, je remonte. Je remonte. Allez, on va chercher. Hop, ici. Et on les bouge. Allez, on bouge un peu. On bouge. Mollet, ischio, quadri. Et je relâche. Parfait. On va se relever doucement. Donc, je ne suis pas fan des étirements juste après un effort physique. Ça se discute, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, du coup, je vais juste vous donner quelques exemples d'étirements. Donc, il y en a sûrement que vous connaissez, hein, des tout basiques. Donc, l'adducteur, comme ceci. Donc, étirement de fin de séance. On va étirer l'adducteur, le dos bien droit. Ceux qui peuvent, avec les coudes, vous appuyer un peu plus pour que ça tire correctement les adducteurs. Attention à ne pas trop forcer sur les muscles qui ont travaillé. Ok, on relâche. On va se faire le quadri. Donc là, je vais me prendre mon pied ici. Là, ça va tirer tout le quadri. Et je vais mettre mon corps en arrière. D'accord ? Donc, ceux qui sont pas très souples, ils ont juste à faire ça, ça tire. Ceux qui sont plus souples, hop, il va falloir mettre le dos contre le sol pour que ça tire. Et comme d'habitude, on ne tire pas trop. D'accord ? Dès qu'on sent que ça tire, on maintient la position. Une trentaine de secondes, on respire, on souffle bien, on ne donne pas d'à-coup. Et on fait pareil de l'autre côté. Quadriceps de l'autre côté. Ça tire, on maintient la position une trentaine de secondes. Parfait. On va se remettre tranquillement les jambes devant et on va aller chercher, hop, les pieds. Donc vous voyez que je suis très très souple. Donc ceux qui peuvent, bien entendu, on va chercher les pieds. Ceux qui ont un peu plus de mal, comme moi, on va chercher les chevilles. Et vraiment ceux qui font aucun effort, les genoux. Mais bon, ça j'en veux pas. Allez, on y va. Pareil, hein, on avance petit à petit. Une fois, on sent que ça tire derrière. Donc mollet, ischio. On maintient la position. Essayez de ramener vos doigts de pied vers vous, ça va encore plus tirer. Soufflez bien. Et on relâche tranquillement. Super. Donc maintenant, on va prendre la jambe droite. On va la passer de l'autre côté. On va étirer ici. Donc fessier et un peu d'ischio. Je vais mettre ma main gauche ici. C'est mon coude qui va pousser mon genou. Ici. Allez, on y va. Donc là, il faut que ça tire cette zone. Allez, une trentaine de secondes de ce côté, on fera pareil de l'autre côté. Allez, on fait de l'autre côté. Encore un peu. Parfait. Et voilà. Fin de cette vidéo pour le renforcement musculaire bas du corps. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, à quel moment vous regardez cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.